Et salut le bro, c'est Sacha Cor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre épopée extraordinaire sur Pokémon Platine en full random. On a les 8 badges, on est normalement à je ne sais où là, on est où actuellement là? On est normalement à la route victoire, c'est bel et bien ça. Donc voilà, on est à la route victoire et du coup on doit terminer la route victoire, arriver à la ligue, préparer notre team et faire évoluer tous les Pokémon qu'on a. Et du coup pour savoir qui on va prendre comme 5e et 6e Pokémon. Et ensuite on pourra terminer la ligue, aller chercher tous les trucs, voilà, vous connaissez tout le blabla habituel. Donc là on va regarder un peu s'il n'y a pas un petit objet. Il n'y a pas d'objet, c'est fantastique. Donc on peut y aller. Donc ici on était venu chercher un petit objet. Ensuite on va pouvoir retourner à gauche et prendre le chemin qu'il était indiqué. Ok, boule de nœud. Boule de nœud j'aime pas. Boule de nœud j'aime pas. Et j'ai pas envie de laisser Karl face à boule de nœud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup mon cher Kamel pour lui mettre un point feu directement dans sa grand-mère. J'ai pleuré au moment du départ de César. Ouais, César nous a quittés malheureusement. Mais c'était un départ nécessaire pour le bien de la team. Parce que j'avoue que c'était chaud. C'était chaud. Bon, j'aurais préféré ne pas le perdre, je vous avouerai. Mais les choses font que, voilà, parfois il y a des choses que tu n'attends pas qui arrivent simplement. Voilà, quelqu'un prend de l'XP. I am so fresh, faut que j'XP à fond aussi. Sinon, ça va être la merde. Normalement, Karl peut faire XP rapidement. I am so. Sur Monsieur, il peut faire des ballons, y'a pas de problème. Est-ce que le prochain jeu noir, blanc, je sais pas du tout ce que je vais faire comme prochain jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être tout de suite. Donc, faudra attendre un petit moment avant que je refasse un Pokémon en Newslock pour le Sacha Cor, sachez-le. Parce que forcément, bah, y a des choses à faire. Faut que je prépare mon Touch Rivals, tout ça. Donc, je joue un petit peu à LOL, je joue un petit peu à TFT. Donc là déjà je vais me focus sur LOL je pense pour les prochaines semaines. Donc en gros il faut savoir qu'il y a... Quoique je devrais plutôt me focus sur TFT. TFT arrive avant LOL. TFT je crois que c'est le week-end prochain, un truc comme ça. Donc faudrait peut-être que je joue à... peut-être que je joue un petit peu à TFT avant. TFT c'est jeudi, ouais, il va falloir que je joue à TFT. En fait là l'objectif c'est on finit ça chez Core aujourd'hui ou demain. Ensuite je full focus sur TFT. J'essaie de passer Master TFT et au moins j'aurai un level correct quoi. J'étais pas là hier, dites-moi que César est juste dans une boîte tranquille. Ouais, il est bien dans une boîte tranquille, t'inquiète. Il est dans une boîte tranquille. Quelle boîte? Bon, il vaut mieux pas que je te donne le nom de cette boîte. Parce que ça me fait mal aussi. Mais il est dans une boîte. Samouche qui vient sur le chat, il nous dit salut les amis, c'est mon fucking anniversaire. Souhaitez tous un joyeux anniversaire à Samouche. Et là, bien entendu, ça va être l'anniversaire d'absolument tout le monde sur le chat. Donc, joyeux anniversaire à vous tous, hein, qui êtes sur le chat et qui êtes nés exactement le même jour, le 13 juillet. Fantastique, GG à tous. Hein. GG à tous pour votre anniversaire. Hein. Ah, mais de rien, je vous connais tous par cœur maintenant. Quoi, il est pas mort? Oula! Ah. Oh frérot le boss, calme-toi! Il va me paralyser en plus. Quoi? Non! Mais pas comme ça, Karl! Mais comment ça, il se fait one-shot par lanterne level 45? Mais t'es nul! T'es nul, comment c'est possible? C'est pas possible! En vrai, il pue un peu. Mais non, il pue pas un peu! C'est stable aussi. Bah oui, c'est stable, mais il a 10 levels de retard. Enfin, je sais pas. Oh! Choke Junior, j'avoue. N'attaque pas, s'il te plaît. Merci. Merci, monsieur. Ne tapez pas trop fort. Ah, mais le crit, il... Putain, j'ai perdu 200 000 pour Psycho! Putain, j'ai vu sa vie tomber, j'étais en mode. C'est bon, ça va être ok. Ça va être ok, il va tanker. Il a pas tanké! En plus, il était en forme normale. En forme normale, normalement, c'est tranquille. Putain, il va me falloir deux backups ici. Je vais devoir prendre Celebi, Latios, Latias. Il va falloir que j'aille oublier les CS, que j'aille chercher des écailleurs pour Latias, que j'aille l'XP ensuite. J'aurais dû garder la CT Psycho pour Latias, putain! Fallait mettre forme vitesse plus tranquille. Ouais, je sais, mais il faisait moins mal. Ah, je suis dégoûté! T'as combien parce qu'il refaut Psycho? Mais ouais, faut que j'aille rechercher un Psycho pour Latias là! Oh là 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 là, César et Karl qui sont morts, c'est dur. Ça me fait du mal perso. Hein. Après, normalement, Kamel il peut 1v9, mais. Vas-y, il est 1v9, on connaît aussi. Hein. T'as Psycho non pour l'OS? Bannez-le. Bannez-le, c'est bon maintenant. Bannez-le, je suis dégoûté, sérieux. T'as un dernier, faut que je passe au moins level 60. Hein. Au moins level 60. League Pokémon, ok. Donc je peux capturer. Attendez, je peux capturer un Pokémon ici, non? Est-ce que je peux capturer un Pokémon dans l'eau? Je peux normalement. Je peux là? Non, je peux pas. T'as déjà capturé avant, je crois. Bon, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est comme Pokémon, mais apparemment, je peux pas capturer. Sérieux? Mais non, mais c'est la ligue. Je suis jamais arrivé à la ligue Pokémon. Ah, si, peut-être. C'est là où j'ai capturé un Laporeille juste avant la grotte, peut-être. Avant la route victoire, c'était la ligue victoire. De toute façon,
ça compte pas, ce Pokémon ne compte pas parce que je l'ai déjà, donc c'est un doublon. Ah, parce qu'avant c'était la route victoire, donc avant c'était la route victoire. La route victoire c'est la grotte, et avant la route victoire, il y a quoi comme route? Je vais regarder sur la map de ce moment. Parce que moi je pense que je peux, mais c'est possible que non. Il n'y a pas marqué en fait. Alors qu'il y a Ligue Pokémon, Chenal. Ah, je crois que je peux pas. C'était la Ligue Pokémon la zone avant, je crois. Non, je crois que je peux pas. Oui, ça me dit un truc. C'est possible. Je viens de Ligue Pokémon juste avant, avant la route victoire. Après, je peux check, hein, on sait jamais. Hein. Si jamais un Pokémon pas doublon, au pire, on ira revérifier. On le capture, mais on l'utilise pas. Et si jamais on voit que c'était vraiment Ligue Pokémon la zone d'avant, eh bien on se tire de là, quoi. Non, je pense que c'est la même zone. Ah, sinon, je peux regarder l'appareil d'où il vient. C'est très simple. C'est vrai que je peux faire ça. Parce que j'ai capturé l'appareil dans l'eau, pareil, juste avant la grotte. Est-ce qu'il y a marqué que c'était la Ligue ou pas, tout simplement? Il y a marqué provenance, de toute façon. Ok, on a la preuve. Ligue Pokémon. Voilà, je l'ai capturé le 11 juillet à la Ligue Pokémon. Donc la zone, je n'ai pas le droit de capturer ici. C'est validé, il n'y a pas de souci. Du coup, là, ce que je vais faire, parce que là, on a beaucoup de choses à faire. Attends, déjà, non. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chose qui me fait très très mal au cœur. Ok, maintenant, faut que je retire deux Pokémon. Glutoni et potentiellement Celebi. Parce que c'est mon meilleur Pokémon de tous après. Déjà, il faut que vous me disiez aussi où est-ce que je peux. Effacer les CS à chaque fois que j'oublie. Ok, donc faut que j'aille à Joliberge. Faut que j'achète des objets. Le problème, c'est quoi? J'aurais pas assez pour acheter. Le problème, c'est que ça, il m'en faut au moins 10 des guérisons pour la ligue. Moi, je vous le dis, hein, au moins 10, clairement. Voire même 10, c'est pas assez. Et du coup, j'aurais pas assez pour acheter Psycho. Ah, ça me fait trop chier de pas pouvoir acheter Psycho, sérieux. Le charbon, je vais le revendre. Hein. Charbon, j'en ai pas besoin. Vas-y, tu sais quoi? Je vais revendre mes objets pour essayer d'avoir 200 000 et pouvoir acheter des trucs. Grande Perle 3, parfait, ça c'est bien ça. Il faut que j'arrive à la fin à 200 000 pour acheter Psycho. Ah, c'est ça, c'est 200 000 Psycho, quoi. Putain. Bon, il manque encore des thunes, je vais vendre des CT. Des CT qui me servira à rien. Hurlement, par exemple, je m'en branle, tu vois. Hurlement, j'utiliserai pas. Il y a tellement de CT qui me servent à rien. Il nous manque encore pas beaucoup, hein. Il nous manque pas grand chose pour être bien. Mais 100%, j'ai oublié des objets à vendre. Je vais vendre ça. Voilà, donc, comme ça, au moins, déjà, on a les thunes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire le resto. Ça, il y a un resto où on peut XP dans le resto. On va aller les fumer vite fait. Donc là, je peux faire vol là-bas. Mais avant ça, je dois justement lui retirer des attaques à Gluto. Donc je dois aller où? C'est Volaroque, vous m'avez dit? Attends, c'était bien Volaroque ou pas? Je me rappelle plus exactement. Attends, Joliberge, pardon. Comme ça, je peux lui retirer toutes les 16 qu'il a pris. Ok, donc où est le mec qui me fait? On va faire les maisons, on va voir, on va se balader. Je pense pas que ce soit là. Ah, si, c'est bon. Allez, Gluto, tu vas retirer beaucoup d'attaques. On va retirer force. On va retirer les 3 16 que j'ai sur lui. Et on va l'XP ensuite. Parce que Gluto, avec Roséam, apparemment, c'est cheaté. Apparemment, c'est vraiment cheaté de fou. Donc il faut que je l'use. Et du coup, c'est plus attaque SP ou pas? Attends, laisse-moi voir les statistiques déjà de Gluto. Laisse-moi voir les statistiques, c'est beaucoup plus attaque SP. Ou c'est largement plus attaque SP. Donc est-ce que j'ai pas un truc dragon pour lui? Est-ce que j'ai pas une CT dragon? Je crois que j'ai une CT dragon qui est ok déjà sur lui. Je dois avoir le Draco Choc. Attends, incroyable Draco Choc sur lui. Tellement cheaté Draco Choc sur Gluto. Ah ouais, non, mais c'est insane. C'est insane Draco Choc dessus. Faudrait que j'apprenne Giga Sensu sur quelqu'un. Je l'apprendrai sur Celebi, je pense, Giga Sensu. Draco Griffe Ozef, c'est une attaque physique. Vibraco Ozef. Il me faudrait Psycho. Faudrait Psycho vraiment. Onde de choc ou déflagration, ça peut être ok. Bah, je vais regarder déjà si je peux pas. Attends, c'est pas là. Merde, c'est où déjà les trucs? Ah, c'est pas là. Je suis pas Union Police. Ça peut être Volaroc, je crois. Non, Volaroc, c'est le truc. C'est Verchamp. Revenant, c'est dommage, c'est pas mal. Onde Boréale, c'est bien. Onde Boréale, c'est pas mal. Précience, c'est correct, mais ça prend trop de temps. Vortex Magma, ça aurait pu être pas mal, Vortex Magma. Mais le truc, c'est que ça a 70% de précision, donc c'est un peu moyen. J'aime pas trop. 70% de précision, c'est pas ouf. Le mieux que je vois là, c'est Onde Boréale, mais j'ai mieux qu'Onde Boréale à lui apprendre, je pense. Revenant, c'est fort. Oui, mais Revenant, c'est physique et c'est pas un Pokémon physique. Loop. Le problème, c'est que je peux pas lui mettre la loup parce que je dois lui mettre le Roséam. Revenant, Broken. Bah, Revenant, c'est Broken, mais le problème de tout ça, c'est que ça a beau être Broken. Si jamais, eh bien, c'est physique, ce sera pas ouf, quoi. J'ai besoin de capacité glace là. Là, déjà, il faut que je change rebond, faut que je retire rebond, faut que je mette 3 attaques là. Surf et Psycho. En vrai, Surf et Psycho, c'est pas mal. Après, normalement, il apprend pas Surf. Donc, en gros, de base, j'avais laissé ça juste pour pas être bloqué. Donc, Surf, je le mets pas parce que c'est pas autorisé. Non, c'est pas autorisé. Rayon chargé. Ouais, c'est correct. Saumur, c'est bien, hein, Saumur. Attends, est-ce qu'il apprend Saumur? Non, mais je veux dire, dans la vraie vie, dans le vrai jeu de base, il apprend Surf? Ah ouais? Ah, s'il apprend de base, tu sais, peut-être que. Si vous me validez qu'il apprend Surf, go, hein. S'il apprend, c'est legit. Ok, il apprend, c'est legit. Ok, je vous crois. Si dans le jeu de base, il peut apprendre Surf, je vous crois. Oh, c'est bizarre, c'est 70% de précision, c'est pas ouf, quoi. Le truc, c'est qu'il me faut le choix Blizzard. Est-ce que je mets Blizzard ou pas? Ou je mets l'autre attaque? Est-ce que je mets Blizzard ou je mets l'autre attaque, là? Il peut déflagration, je pense que oui, je pense qu'il peut déflaguer. Déflag, c'est 85% de précision, en plus, c'est OP, hein. Il peut pas prendre déflag. Mais il peut apprendre Blizzard même, attends. Il peut pas prendre Blizzard de façon. Donc, je devrais lui apprendre l'autre attaque, je pense. Je pense que la meilleure attaque que j'ai là,
En vrai, Revenant, c'est OP de fou, je suis d'accord. Mais Revenant, le problème de Revenant, c'est que c'est physique. Tu dois attendre un tour avant de le faire, tu vois. Donc, en gros, ça prend un tour où tu disparais et ensuite tu tapes. Donc, je trouve que c'est pas ouf. Moi, je pense qu'il faut que je lui apprenne Onde Boréale. Hein. Je pense que Onde Boréale, c'est ce que j'ai de mieux à lui apprendre. Hein. Onde Boréale, ça peut faire quoi? Ça peut baisser l'attaque de l'adversaire en plus. Laser Glass, c'est incroyable. Ouais, mais j'ai pas Laser Glass. Je peux pas lui apprendre Laser Glass, malheureusement. Donc, là, limite, je mets Onde Boréale et je vais farm les trucs pour avoir Psycho et je suis bien. Hein. Vaut mieux farmer Laser Glass. Je peux pas farm Laser Glass. Laser Glass, y a pas au. Ah, oh, y a peut-être dans le casino, mais le casino, c'est cher. C'est trop cher, 100% Laser Glass. Le mieux, c'est que je mette Vortex Magma en attendant. Hein. Je mets Vortex Magma et je mettrai. Après, le truc, c'est que j'ai déjà point feu sur Kamel. Et Kamel, avec son point feu, il one-shot déjà tout le monde. Donc, il me faut véritablement une attaque glace. Il faut 100% une attaque glace. Il faut 100% une attaque glace et 100% une attaque psy. 10 000 jetons Laser Glass, pareil, ça coûte 200 000, ça veut dire, c'est pas possible. Non, je prends Onde Boréale. C'est validé, je prends Onde Boréale. J'aurai pas le temps de farmer les 200 000 pour Laser Glass, malheureusement. Donc, je prends Onde Boréale qui fera le même taf, quoi. Au pire, c'est quoi? Je vais attendre. Je vais l'XP. Je vais déjà acheter Psycho. Et on verra. Et peut-être qu'au niveau 50, il aura d'autres compétences qu'il pourra prendre. Mais ce qui est sûr déjà, c'est que je vais devoir lui prendre l'objet. Et que là, ça devient mon Pokémon carry numéro 1 pour XP. Il faut que je passe au moins level 55 là. Demain la ligue. Ouais, je pense que ce sera demain, je pense. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on puisse faire la ligue aujourd'hui. Hein. On va voir. Mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps. Déjà, ça m'étonnerait que là, en 40 minutes, je puisse XP comme il faut tous les Pokémon bien, tu vois. Je mets 58 les 6 et go. Ouais, je pense qu'on va faire ça. 58 les 6, ça me semble bien. Tu vois. Enfin, les 5, parce que j'aurai que 5 Pokémon là. Il va aller faire la ligue après sa préparation, exactement. Donc, ça demande un petit peu de temps de préparation. Je suis désolé, ça va prendre le temps qu'il faut. Mais j'ai pas envie de wipe après 30 heures de run, tu vois. Le plus gros PL de l'histoire après Sulchark. J'avoue que la Gluto, il est en plein PL. Hein. Là, il est au max. Il est en train de profiter de toute cette juicy XP. Il est bien. Mais où est César? Écoute, il s'est passé des trucs. Tout ça pour mourir au premier combat. J'aurais trop le seum. Imagine, je suis là, je prépare ma team pendant des heures. Je meurs au premier combat. Je serais dégoûté. Maintenant que t'as bien avancé, est-ce que t'as réussi à digérer le boule de nœud méga fois sur Monistar? Je ne vois toujours pas de quoi tu parles. Franchement, il y en a qui me parlent de ça, mais je pense que c'est une hallucination collective. Je pense qu'on nous joue un tour. Voilà. Je vous le dis, je pense qu'on nous a joué un tour. Et que les gens ont vu des trucs, ont rêvé des trucs. En même temps, vous savez, des fois, il y a ce délire de hallucination collective. Hein. C'est pas un mythe, hein. C'est pas un mensonge. Et je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Ça arrive. Des fois, voilà. Y a des hallucinations collectives. Karl, il y a 2 heures, c'était une hallucination. Tout ce qui s'est passé là, la mort de César, la mort de Karl, c'est des choses honnêtement qui me font encore beaucoup de mal et dont je ne peux pas encore trop parler. Parce que voilà, ça me meurtrit au fond de moi. Mais tous les trucs hypothétiques d'un Ammonistar et tout, je ne vois pas de quoi vous parler. Ça ne s'est jamais passé. Jamais. Le problème, c'est que là, les Ekaiker, je pense pas que je puisse apprendre grand chose. Hein. Les Ekaiker, il va juste me dire que je peux apprendre les mêmes attaques que ce qu'il a voulu apprendre tout à l'heure, c'est tout. Hein. Auquel cas, je pense que je vais apprendre l'attaque glace. Je pense que l'attaque glace, c'est ce que j'ai de mieux à lui faire apprendre là actuellement. Laissez-moi voir ça, vite fait. Ouais, c'est ça. C'est en fait, il apprend les attaques qu'il a voulu apprendre tout à l'heure. Donc, il faut que j'aille lui apprendre Psycho. Faut que j'aille lui apprendre Psycho et limite, je vais attendre. Je garde les Ekaiker pour d'autres attaques qu'il pourra apprendre plus tard. Enfin, que d'autres Pokémon pourra apprendre plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui apprendre Psycho et ce sera très bien. Donc du coup faut que j'aille au casino de Volaroc. J'ai perdu tellement de thunes là-dessus quoi. Fait chier. Je suis dégoûté, sérieux. Hein. 10 000 jetons Psycho, tu te rends compte? Je pense qu'on est d'accord que Latias avec le Roséam, c'est 10 fois mieux que Deoxys. Qu'on soit honnête. Il faudrait limite que je lui apprenne Onde de choc. En vrai, je peux lui apprendre Onde de choc, c'est très bien, non? Onde de choc, ça fait le taf. J'ai pas d'attaque électrique si j'ai Fatal Foudre. Je peux lui apprendre Avalanche et Avalanche, c'est pas ouf. Lumineux Canon, est-ce qu'il apprend Lumineux Canon? Attends. Ah, il apprend pas Lumineux Canon, c'est dommage. Rayon chargé, c'est pas ouf. Saumur, j'ai déjà une attaque haut. Fauchage, c'est pas dingue. Atterrissage, c'est pour me hit, c'est pas dingue. Déflagration, ça peut être ok, mais il apprend pas. Est-ce qu'il apprend Onde de choc? Il apprend Onde de choc à la limite. C'est mieux que rien, quoi. Le problème, c'est qu'il apprend pas Blizzard. Sinon, je l'aurais appris Blizzard. Attends, je vais regarder un peu ce que je vais prendre comme Pokémon aussi dans ma team. Parce qu'en vrai, la pourrée, là, j'en ai rien à foutre. Il a même pas un cœur. Eh, c'est bon, il m'a saoulé la poreille. Donc là, de toute façon, j'aurais pas besoin de la poreille, j'ai pas la possibilité de le faire, la flemme. Donc là, maintenant, c'est la question, c'est est-ce qu'on met Florizarre, il avait quoi? Il avait un bon truc, il avait Absorbe Eau, c'est vrai qu'il avait Absorbe Eau. Après, il avait des attaques de merde, c'est ça le problème. Celebi, il avait quand même Balombre, Cage Éclair. Il suffit que je lui apprenne une attaque qui peut être correcte ici et ça le fait. Et le fait que et l'avantage, c'est que Celebi, c'est un Pokémon attaque et attaque spé. C'est qu'il a 100 partout au niveau des stats. Donc limite Pied Voltage, je peux le garder, je retire Icoc et je mets une autre attaque et c'est fine, tu vois. Pour moi, c'est ça que je vais faire. Bon, toi, tu vas dans la boîte des Pokémon que je dois faire évoluer, mais vas-y, la flemme. Ces Pokémon là, on les verra jamais évoluer. J'ai pas le temps de les faire évoluer. De toute façon, on en a pas besoin parce qu'on a déjà des trucs très très bien. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vois que Chapi est prêt. Donc on préparera notre team demain. Ne vous en faites pas. Demain, on prépare notre team. On XP un petit peu et on fera la ligue demain, promis. Donc rendez-vous demain à 10h pour la ligue Pokémon et potentiellement l'un des derniers créneaux de Sacha Cor sur Pokémon Platine. En espérant encore une fois que ça vous ait plu. Même si aujourd'hui, c'était une session un petit peu plus de préparation plutôt que de trucs légendaire que vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à vous tous d'avoir regardé. Et du coup, je vous laisse maintenant. Merci à vous tous et des bisous.